Bonjour, Julien Masson, Réseoptique. Je suis responsable commercial donc, d'un réseau d'initiatives publiques sur la communauté de communes de Mézières-lès-Metz. On commercialise à destination du particulier et des entreprises de la fibre optique. Alors pourquoi GN2 ? Parce que en tant qu'acteur du numérique, Réseoptique a vraiment un rôle éminemment important à jouer puisque nous sommes un des rares réseaux sur l'est de la France à être déployé en fibre optique. On touche à environ 10 000 personnes potentielles, donc directement en fibre optique. On commercialise déjà des offres en fibre optique via des opérateurs tels que Webox ou Comcable. Et évidemment, nous proposons aussi des services pour les entreprises qui sont implantées. On a environ 700 entreprises qui sont implantées sur le territoire de la Comcom et vers lesquelles nos offres leur sont évidemment destinées. Alors, ça permet évidemment aux autres collectivités en Lorraine, puisque Gênes a un rayonnement qui est plus que local, il est régional, voire interrégional ou interfrontalier en tout cas. Ça nous permet d'être un laboratoire, un prototype pour montrer aux autres collectivités que le déploiement de fibre optique existe déjà. On commercialise déjà des offres en fibre optique et ça nous permet finalement de montrer que l'effort est important pour les collectivités comme pour le privé, puisque c'est Altitude Infrastructure, qui est un opérateur d'infrastructure, qui est aussi à l'initiative du projet, de pouvoir apporter un savoir-faire, une expertise à des collectivités qui veulent aménager de manière, exhaustive leur territoire avec du numérique et évidemment du très haut débit.